probablement un des opéras les plus prestigieux, les plus populaires. Les gens adorent la Traviata. Et ce que j'entretiens, c'est que je la connais bien. C'est une musique de Verdi que j'aime. J'aime le Requiem de Verdi, j'aime Nabucco, j'aime d'autres œuvres de Verdi. Mais là, il est arrivé à une sorte de sommet, de gracieuseté. Voilà, c'est une œuvre qui a fait scandale, évidemment, à son époque. Et c'est une œuvre corrosive, comme elle est l'amour. C'est-à-dire que c'est vertigineux. On le sait ce que c'est l'amour. C'est un opéra qui est quand même le sommet du romantisme. C'est la Dame aux Camélias, c'est Sarah Bernhardt, Greta Garbo, La Callas, Vittoria de Los Angeles, La Duse, toutes les plus grandes voix et les plus grandes interprètes de cette Dame aux Camélias. C'est un rôle merveilleux, c'est la catin qui devient sainte par amour et qui se sacrifie et qui meurt. Donc moi je veux faire une tragédie très shakespearienne et où on pleure, où on est ému. C'est ça l'idée. Écoutez, ce que j'aime le plus, c'est chanter. Mais c'est vrai que là, diriger, être au cœur de cette musique et diriger des chanteurs, alors que j'ai été de l'autre côté souvent, ça me paraît, voilà, une chose importante. Mais je suis une interprète, alors vous savez, pour moi c'est comme des films. Au cinéma aussi, j'ai toujours fait des choses très variées. Je n'aime pas les étiquettes, je n'aime pas les limites. Je suis quelqu'un de nos limites. C'est avec la liberté, la grâce que ça apporte à la vie. Donc je mets le plaisir et le désir au poste de commande de la vie. J'ai là un très jeune talent qui fait la chorégraphie, Rémi. Je me suis entourée de chanteurs que je découvre. Et il y a de danseurs. Et tout ça, c'est des découvertes. C'est des gens qui, ça va leur permettre un au-delà. Je suis très heureuse de ça. C'est le rapport de l'opéra et du cinéma est très complexe parce qu'il faut tout à fait une autre mise en scène qu'une mise en scène théâtrale. Mais tout ce qui fait aimer l'opéra est merveilleux parce que l'opéra, les gens vont adorer. Vous voyez, il y a tous ces enfants-là, ils vont adorer.